Salut mes séants, ouais, voici Captain Fleur de l'Esprit que nous sommes dans un champion de se retrouve pour une nouvelle aventure sur le Nino Kuni 2. J'avais le goût d'affronter ce Kraviata. Kratver. C'est facile. You ready for this? Victoire facile, comme je l'ai dit. Moi, t'es pas moi quand je dis qu'il est facile. Je mentais pas. Je savais que j'aurais réussi. Moi j'aurais pu le faire la dernière vidéo finalement. Pas grave. C'est fait. Je m'incorrecte dans cette vidéo là aussi. Peut-être je sais chercher le coffre par contre. Titan, il est juste à... il était prêt. Ah oh, ouais. Ah bon. Je suis étonné quand même. Eh ben. Ce sont deux endroits à aller. Comme dans la dernière vidéo, il faut aller chercher du sable scintillant pour enlever la corruption d'une ancienne stèle. Datant d'il y a 2000 ans. J'ai pas l'impression qu'il y ait de sable c'est-à-dire ici. Allons chercher ailleurs. Ça ressemble à du sable. Comme l'autre dessus, ça ressemble à du sable, du florin. Ah, j'ai retenu le florin. Ah oui, c'est rapide avec ça. C'est le fun. Ah, il y en a faire des combats ici. Non, je serais peut-être plus ici. Ouais, c'est exactement ça. T'as mené une fiole de sang scintillant. Et voilà le travail du sable scintillant. Ouais, on va enfin pouvoir déchiffrer la selle. Retournons voir vite à Jetland, mais avant tout. Oui.
Je veux l'affronter. Pourquoi j'aime bien ça l'affronter? Pour regarder où c'est la vie. Bon, l'important c'est que j'ai vaincu. Vous êtes important. Bon, là, on va jeter l'homme. Par contre, à toi s'inquiéter. Par contre, ça risque de me prendre un peu de temps. Attends mon château. J'y apporterai la stèle quand j'aurai terminé. I'll be counting on you. Je compte sur toi. Vector vient de nous envoyer un rapport assurant que Cela n'a pas bougé d'un pouce. Il continue cependant de collecter des armes. Chaque victime est une victime en trop. Il faut trouver l'humaine au plus vite et l'arrêter. Sachez que ce sera sûrement pas dans cette vidéo qu'on va affronter Selan. En espérant que Selan reste inactif pendant que nous cherchons l'épée divine. Ça c'est un fait. En espérant que ce soit pas l'unimine par contre. Ça, la pire chose. Oui. Pourvu que ça dure. Excuse me. Désolé pour l'attente, Evan. J'ai réussi à rompre le sort qui affectait la stèle. J'espère vraiment que cette stèle parle de notre épée. Sinon, la vieille Irma va voir de quel bois je me chauffe. Voyons voir cela. C'est vrai que les cristaux sont différentes. Afin de garder sa force divine loin de mes mal intentionnées, c'est pour ça que c'est la personne lui-même qui m'a... C'est le fameux héros dont je m'en... Et... Donovan? Ouais, d'accord, c'est le traité de Donovan. Donovan de 1700 là, personne ne le sache.
L'épée sacrée en fut transformée. Un jour, de nouveau nécessaire, sa force sera et lorsque, avec un témoin royal, ça fusionnera. L'épée divine humaine de ses cendres renaîtra. Pour le trouver, l'incarnation doit être recitée au centre de la pleine lune glacée. Oh, non, tu vas pas fou. Donc il faut aller au quai d'avion. Madame Irma avait raison. Ça parle bien de l'humaine. Elle aurait donc été transformée avant d'être scellée. Il y a juste à le rechanger en épée, non? Mais pour cela, il nous faudrait utiliser le témoin royal de gardien. Et nous n'avons guère que la branche d'arbre d'Evan et d'Elius. Un témoin royal. La branche d'arbre. Une baguette! Je précise, une baguette! Il suffit de dire la formule dans un lieu précis afin de révéler l'endroit où il se trouve. Je peux pas prendre l'épée de son père Léopold? Mais nous ignorons où se trouve cet endroit. Au centre de la pleine lune glacée. Il y a bien un endroit que l'on appelle la caldeira de la pleine lune, dans la région des terres énergées au nord de Mekabor. Ce que je pensais. Et si c'était là-bas? Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Alors, allons-y. J'ai déjà été dans ce coin-là, moi. T'es pas ici, pourquoi? Oh! Point de téléportation, on va aller au seul point de téléportation, ça va être plus logique. Logiquement. Gosh. Voici donc la caldeira de la pleine lune. C'est vrai que vu d'en haut, ça peut avoir l'air d'une pleine lune. J'ai pas porté attention par contre. Essayons de réciter la formule. Ça fonctionne, même avec la baguette d'Evan. Eh ben. Oh, c'est un donjon ça. Mazette! Une sorte de sanctuaire vient d'apparaître comme un champignon. J'imagine que c'est là qu'il faut aller. Pleine lune. Bof. Potin. On a juste l'imagination, c'est tout. Qu'il faut aller là-bas. Tente de visiter tout quand même. Ah bon. Ah!
Oh, trop tard. Pour le mousse. Je pense qu'on peut se aider un peu. Le feu pour se fondre la glace. Je veux que ça les dissipe. Bon, on se retrouve dans le beau. Ah non. Je suis sauvegardé. Oui. Qu'est-ce que t'as fait là que on a à faire? Voulez-vous savoir quoi? Ça va être tout pour cette aventure. Peut-être courte. Tout dépendant le montage, peut-être va être court, mais il faut bien de temps en temps avoir une courte vidéo parce que moi dans mon cas il est quand même tard. Je sais pas combien de temps ça va prendre ce combat, puis en même temps j'aimerais ça peut-être sauvegarder. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Parce que moi, j'ai hâte de continuer celle-ci. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'esprit. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la panel de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, sans trop pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 2. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.